Dans sa chemise de corps, elle a cousu une petite poche. Dans cette petite poche, elle a glissé la plus petite poupée, celle qui ne s'ouvre pas. Par-dessus cette chemise de corps, elle a enfilé un jupon. Et par-dessus ce jupon, par-dessus la chemise de corps, elle a enfilé un autre jupon. Et par-dessus ce jupon, sur la chemise, elle a enfilé une jupe. Et au-dessus de la jupe, sur le jupon, sur la chemise de corps, elle a enfilé un corsage qu'elle a lacé. Et par-dessus le corsage lacé, et la jupe sur le jupon, sur la chemise de corps, elle a mis un tablier dont elle a noué la ceinture soigneusement. Et par-dessus le tablier à la ceinture nouée, sur le corsage lacé, et la jupe sur le jupon, sur la chemise de corps, elle a enveloppé ses épaules d'un grand châle de laine ajourée. Dans la poche de son tablier, elle a glissé sa petite paire de ciseaux de couture et son crochet et des clous et un marteau. Ça peut servir. Elle a aussi pris un pinceau et des crayons et le couteau pour les tailler. Une besace en cuir aurait été utile, mais ils avaient dit pas de bagage. Elle a cousu plein de poches dans chaque jupon, et dans chacune, elle a glissé un trésor. Là, une photo. Ici, un mouchoir brodé. Dans cet autre, un poème. Et dans celle-ci, un peigne pour démêler ses cheveux. Et puis, elle s'est mise à danser. Et toute sa quincaillerie s'est mise à cliqueter et froufrouter bizarrement. Elle a l'air d'une femme, mais dans son cœur sommeille une enfant qui rêve à comment ce sera quand elle sera une femme. Tout au bout de la route, au bout du chemin de terre, elle fera un cadre avec quatre morceaux de bois, des clous et son marteau. Elle retirera un de ses jupons. Elle découpera une toile avec ses ciseaux. Et elle peindra le bonheur retrouvé pour l'aider à durer.